Et me revoilà. Petit switchage d'affichage. Et on est reparti. Je sais plus ce que je voulais faire. On va trouver. Hop, je vais couper la musique de Lineage. Remettre le son du jeu. Voilà. Je ressemble vraiment à rien. Acheter. Donc là, on avait des choses intéressantes ou absolument pas. Bombe incendiaire. Ah, bombe incendiaire encore des. Non, c'est pas ça. C'est pas ça les bombes incendiaires noires. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Je sais pas, ils appellent ça. Je sais pas. Bon, ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Et tout ça, aussi. Et sinon, je pense. Si j'ai chopé un nouveau fragment de fiole. Alors, renforcer, oui. Alloy fiole confirmé. Ok. Là, il n'y a rien de nouveau, on est d'accord. C'est vrai que j'aurais pu acheter soit ça, soit ça. Ah non, c'était les flèches que je voulais acheter, c'est ça. Acheter objet, des flèches de base. Voilà, 5. On va en acheter. Voilà, une trentaine. Hop, c'est bon. Yoel peut te vendre un buff. C'est qui Yoel? C'est elle? Yoel peut te vendre un buff de magie. Il y a l'aiguillon, mais à part ça... Bref. Je vais aller chercher la chevalière de flamme. Débloquer... Ça, j'en ai pas, non. Qu'est-ce qu'on va chercher d'autre? Je sais pas. On va essayer de débloquer le géant. Même si ça c'est pas tout de suite. Ah le pèlerin, elle vend des trucs. Mince, j'avais oublié qu'elle vendait des trucs. Je l'avais complètement oublié. Avant qu'elle ne meure. Bon c'est con du coup, on peut pas faire pop Yuria. En SL1, c'est un peu con. Hop. Défonce-toi avec ton Udis. Je vais essayer. Acheter objet, elle vend quoi, flèche d'âme. Et tu veux que je prenne quoi, le bouclier magique? Améliore magique du bouclier gauche. Amélioration magique de la... Ah oui, non, ça serait très bien ça. Ouais, c'est ça qu'on va prendre. 4500, mais oui. Be safe. Très bien. On va virer le heal. On commence à avoir 7 popos, donc je pense qu'on est bien au niveau des popos. Et faire plus de dégâts, je pense que c'est important. Ça dit quoi? J'en ai qu'un seul fragment et c'est 4 hein, pour la suite. C'est 2-4-8 ou 2-4-6? 2-4-8? 2-4-6? Ah non, j'en ai 2. Il en manque donc 2. Ouais, je peux pas prendre les niveaux gratuits avec ce perso vu que c'est un René SL1, c'est bien le problème. Allez. Ah, par contre j'ai oublié, si je le mets pas, ça va moins bien marcher. 2, 4, 6, oh, cool. Ah oui, mais il faut un truc pour les caster. Ah oui, donc c'est un peu con. Si j'ai rien pour caster, ça va pas marcher. Allez, on refait. On y retourne. Je suis à combien en poids? Attends. Il est où? Ah, tiens. Par contre, ça, c'est nul, ça. Merci. Voilà. Est-ce qu'elle vend un truc pour caster hein? Pourquoi j'ai pas le PNJ, Pat? Bah, tu as acheté la clé à 20k. Non, tu restes pas sur le level 1 avec les 5 niveaux de... Non, non, tu passes sur le level 5.
Tu restes pas sur le level 1. Alors qu'est-ce qu'on a qui permet de caster? C'est quoi ton arme? Ça tape super fort. C'est la broadsword, l'épée large. Ça, ça permet bâton de sorcier, ça doit permettre, ça pèse combien? 2. C'est lourd. Est-ce qu'on a autre chose sur l'autre? Très bien. Et il ne vend plus rien. Ah bah c'est bien. C'est génial. Alors du coup, attends, si je reviens... Oh, tant pis, on va acheter le bâton de sorcier, sinon on y est encore dans 20 ans. Ok, ok. On va le mettre là. C'est un 32,6 quoi, du coup, ça va plus. Je suis au-dessus de 30. C'est 35 ou 30? Si c'est 35, c'est bon, on peut laisser. Ça a l'air d'être 31. Oh non, c'est peut-être pareil. Attends, du coup, on va volontairement passer. Voilà, 41, là, on devrait le sentir. Mais je vois pas la différence. Je vois absolument pas la différence. Ah si, quand même. Bon, comment je fais? Ça voudrait dire déséquiper l'arc. Ça, ça pèse 1. Il y a un d'autre que je peux déséquiper. Ah mais non, j'ai mis le gourdin, je me suis planté. C'est bon, 29,6, on est bien. Donc là, normalement, c'est bon, je peux caster. Parfait, c'est bon, on y est. C'est bon. On va tester. Ouais, bon, ça me permet toujours pas de one shot à la une main. À la deux mains, ça doit être bon par contre. Ouais. Ouais, c'est dommage. Je préfère la jouer safe avec le bouclier. C'est un peu nul. Ok. C'est moi où il dure longtemps le buff. What the f... Ok, donc il y en a juste un seul qui se lève. Par contre, j'aimerais bien que tu viennes par là. Ah, ça y est, il est plus actif. Ok, détritus, détritus. Et là, ça va être un petit peu tricky. Enfin, pas là, mais sur le côté. Là, je sais jamais pourquoi c'est utile d'aller là. On peut ouvrir la porte, mais je pense pas que c'est un intérêt véritable. Chope la fiole et cours. Il n'y a pas de fiole ici. Il n'y a rien à choper ici. Je voulais juste ouvrir la porte. Normalement, c'est par là. Mais sauf que là, c'est chiant. Est-ce que tu te fais tirer dessus?
Oh. Ok. Ok, ok. Non mais j'ai déjà chopé ça, la fiole dans le feu. C'est pas du tout ici. Ok, donc là il y a deux relous et je sais jamais où est-ce que je suis bien safe pour taper. Vraiment, tant que je reste là... Sérieux. Ok. Donc il m'en manque un qui est là-bas. Je vais le... Oh, t'es sérieux. C'est pas ça que je voulais faire, tu arrêtes maintenant. Deux os de retour. Qui c'est qui me tire dessus là? Normalement il y a un autre mob par là et un loot encore je crois, mais je suis pas sûr. Là-bas. Ah oui, mais là-bas il y a un loot, c'est pour après. Là il y a ça. C'est un bouclier ici, mais je sais plus ce qu'il fait. Tu veux me retaper tout le tour après? Oh, c'est pas bien grave. Là, il n'y a rien. Alors, les stats qu'il a, mais je crois que c'est tout pourri. Et là, normalement, je prends plus de dégâts et il y a un retour au feu derrière. Et je vais aller chercher la chevalière de flamme et un serment, même si on s'en fout un peu. En bas, c'est pas la peine que j'aille voir, il n'y a rien. Là, il y a un NPC. Il y a peut-être un loot à côté. Oui, si, il y a un loot à côté. Bouclier de planche, on va voir les stats. Ok. Salut SL1. Oui, c'est un René SL1. Sous le level 1, ça veut dire que j'ai pas le droit de level up. C'est-à-dire que je dois rester level 1 tout le long du jeu. Et ma vie est nulle. Ok, donc il y a lui, mais c'est un copain. En tout cas pour le moment c'est un copain. Là on va choper la chevalière, même si c'est un peu chiant. Faut juste pas tomber. Et aller derrière le cadavre pour le faire tomber. Voilà. Ok. Non, à l'autre côté. C'est chiant. Faut que j'arrive à le faire tomber du bon côté. Donc là, par exemple, c'est du mauvais côté. Ah là, là, je pense. Non, 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 tu roules de l'autre côté. Roule de l'autre côté. Voilà, 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 voilà. Voilà. Ah, c'est bon, on est bon. C'est bon. La chevalière de flamme. Ici, il n'y a plus rien à choper. Donc là, on monte dans son dos. Ça me fait penser que normalement, j'avais cherché des petits gâteaux que j'ai absolument pas mangés. Donc quelque part, sont cachés deux petits gâteaux. Deux petits gâteaux. Oh, c'est beau. Les contraintes, c'est que c'est un run soul level 1, j'ai pas le droit de level up.
Quand j'aurai mon arme plus 3, je pense à Argantz. Je sais pas si je peux arriver à la tuer avant. Ah, ça fait du bien. Blabla, tout ça, serment, c'est très bien. Et bim, le petit gâteau, exactement. Je pense qu'il n'y a absolument rien d'autre à choper. Ça doit être pour filer une vertèbre ou je sais pas quoi. Non, je sais quoi ici, c'est des vertèbres? Non, je sais plus. Ah, c'est un bouclier du dieu de la guerre qui sucks. Well, this of... yes, yes, it's in... Thanatophile. Petite dose de retour. Maintenant, on va aller le tuer. Ok. Pourquoi cette autoflagellation? Je ne sais pas. Alors, 52, 41, 41, 85. C'est lui qu'on va mettre 11 en force. 10, c'était bien 10. Non? Oh, il est pas mal, n'empêche. 51 de stabilité. Ah oui, mais il y a 85. Et il a la parade. Ok. Os de retour. Je vais le mettre, l'os de retour, parce que sinon je vais jamais y arriver. Bon, ça, on n'a plus besoin, normalement. Hop. Et le reste... Osif. On est toujours à 2 et 1 là, d'accord. Pourquoi je voulais aller à les cheveux, je sais plus. Non, j'ai rien à faire. Comment tu fais pour monter dans la cage du mob? Bah, il passe derrière, mais c'est que ce mob-là que tu peux. Hein. Et faut pas avoir tué un boss ou je sais plus quoi, il y a un truc. Alors, voyager. Ah non. Et là, il y a le pont, mais comment je passe? S'il fallait que je continue, en fait, par la petite baraque, non? Pour pouvoir arriver... Ouais, s'il fallait que je continue par la petite baraque. Attends, on va aller en pont en ruine pour le moment. J'aurais bien été chercher les cendres, mais le... il me fait peur, le géant, quand même. Mais si j'ai les cendres, après, je peux prendre la clé à 1500. Et je suis tranquille. Donc là, on va un peu galérer, voire on va mourir. Allez, viens, Billy. Non, je suis pas chez moi. Je suis pas chez moi, je suis chez Stéphane. Face buff. Je vois rien. T'es gentil. Ça sert à quoi ce sort? Parce que je vois absolument rien. Oh non, vas-y. Oh le relou, quoi. Il va courir l'autre. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon.
Salut Gips Froid. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? J'aurais bien essayé de rusher jusqu'à... Je vais me faire défoncer, quoi. Faire défoncer. J'aurais bien aimé aller choper les cendres. Est-ce que ça se fait ou pas? Si je ramasse une branche près de l'arbre, est-ce qu'il m'attaque encore? Ou pas? Parce que je crois qu'il faut qu'il me donne une branche pour pas que je prenne les dégâts. Ça c'était une braise. Pourquoi je vais pas faire la paix avec le géant? Parce que... Ah, je pense que là c'est bon. Mais je suis pas sûr. Non, c'est pas bon. Que j'ai les cendres, c'est ce que je voulais. Ah, par contre là je vois rien, c'est bien gentil. Parce que ça va me faciliter la vie, je vais pouvoir acheter la clé et je vais pouvoir passer par là. Et donc là, faire la paix avec... Ah mais non, attends, non, ça va pas ouvrir cette porte là, c'est la porte à l'intérieur. Oh ! Ah quoi que... Voyager. Non, j'ai dit n'importe quoi. Bon, en tout cas, on aura la clé, c'est fait. C'est pas non plus perdu. Donner cendre. Voilà. Acheter objet. Donc là, on a quoi? Les résines, très bien, la clé, donc on achète. Et là, il n'y a absolument rien de nouveau. Hein. Non. Pas d'anneau, truc, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, donc ça a juste mis des trucs en plus et la clé. On aurait presque pu aller chercher le fragment d'os, mais ça c'est très très dangereux. Donc, juste aller vérifier, mais je pense pas que la clé puisse permettre d'ouvrir cette porte. Je vais aller vérifier, sinon on fera le tour. On fera le tour et on ira faire la paix avec le géant. Non, c'est bien ce que je pensais. Donc il faut repasser par le début. Je vais tout refaire quoi. Ah, ceci dit, vous m'avez dit que j'ai loupé un fragment de... une titanite ici. Elle est où votre titanite? Là, ici, il y a un truc en hauteur à aller chercher. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Là, je crois qu'il n'y a absolument rien du tout de mémoire. Je me suis toujours demandé à quoi servait ce grand endroit. Ici, on arrive là. Va y avoir le gars avec son marteau. Et je pense que c'est tout. Ah, si, c'est bon, je sais où c'est. Je pense que c'est là tout simplement. Oui, c'était ça. C'était tout simplement là. Est-ce que mon projet de déménagement se concrétise? Bah, je trouve pas d'appartement et les seuls appartements que j'ai trouvés, bah, on n'a pas voulu me les louer. Donc c'est compliqué. Ok, donc là je suis obligé de repasser. Là-bas.
nous manque un fragment pour passer l'arme plus 2. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'était coincé. Non, non, il fait pas ça. Tu fais quoi? 1, 2. Ah mince, on va pas lui faire ça. Je suis désolé. Voilà. Mais Ah, des petits frises, on n'avait pas eu depuis un moment. Je cherche à Lyon 1, 2 ou 5. Minimum 70 mètres carrés avec la fibre. Voilà. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Ok. Ensuite, on va passer par là. Allez, retire-moi un truc que je dodge au moment où tu tires. Bon, d'accord. Pourquoi pas. Alors, j'ai un peu peur, c'est du gars qui va me tirer en haut, parce que d'habitude, je les tue. Je sais pas ce que ça va donner. On verra. Là, la porte est ouverte et là va falloir faire gaffe au Billy qui nous tire dessus. Alors l'idéal c'est de tomber là sur le côté de mémoire. Oh non, vas-y, j'étais en blocage quoi. Deuxième mort. Oh, c'est con. C'est tellement con. Ça me donne envie tellement de courir maintenant. Ah, j'ai pas mis mes braises. Ok. Menu Faxol. Sur la distance. Non, je galère. Ok. Donc pas trop vous avancer si vous voulez pas faire pop les deux. Après, moi je joue safe, hein, donc vous pouvez vouloir faire pop les deux. Hein. C'est pas des mobs durs. Hein. Des fois ils sont chiants, ils attaquent pas. C'est quoi SL1? SL1 c'est sous le level 1, ça veut dire que tu n'as pas le droit de passer de level.
pas utile de faire un backstab, c'était pas volontaire, mais ça a été. Alors, mes âmes sont où? Elles sont avant de tomber. Bon, je vais prendre une humanité. Et on va faire gaffe. Ok. Là, il n'y a personne à l'intérieur de mémoire. Il y a un feu. Je peux pas m'y reposer parce que l'autre est encore en aggro. Allez, viens. C'est good. Dites-moi si jamais il y a des fragments de titanite en haut. Ça m'intéresse parce que je m'en souviens plus. Il ne manque qu'un seul fragment en plus pour up mon arme. Ah mais il y a un PNJ ici, j'avais oublié. Une hache légère. Ok, parfait. On va pouvoir aller chercher le loot en bas, de toute façon il n'y a personne qui nous tire dessus. C'est pas grave. Oh, il y a lui, je l'avais oublié. Non, il y a lui. Une âme de voyageur inconnu et c'est tout. Il n'y avait rien en bas, il y avait juste un mob pour un loot. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. On va pouvoir aller débloquer le raccourci si je meurs pas comme un caca en route. Alors, si je dis pas de bêtises, je peux tomber sur la charrette sans prendre de dégâts. Là, il va y avoir un titoutou. Et là, il va y avoir des petits rats. Ok. Je vais faire ça avant. Oh, ça, je crois que c'est cool. Ok, maintenant le gros rat. Alors, si je dis pas de bêtises, je peux aggro les petits avant d'aggro le gros. Oui. Au moins un petit. Ok. Non, c'est bon, j'ai les deux petits. Non, j'ai le gros. Non, c'est bon, il n'y a que les. Donc, le gros, normalement, est pas compliqué. Il suffit juste de pas se prendre de coups. C'est valable un petit peu pour. Mais quand tu le sais pas ici, la première fois, tu te. Voilà. Un anneau de mort sur sanglante. Donc là, je vais pouvoir. Donc comment on la joue? J'ai 6 fioles. Non, ça... 6 fioles, attends, il n'y a pas de feu avant un moment. Il faut que je me tape quand même plein de trucs derrière. Non, on va le. On va essayer de le faire proprement. Oh, mais il y a un machin ici. Attends, comment je peux y aller sans l'aggro? Il m'a pas vu, hein? Non, il m'a pas vu. Lui non plus, faut pas qu'il me voit. Oh, je vais me trancher un ballon. Bah non, il y a faute. C'était pas ce qu'on demandait.
Très bien. Là, devrait y avoir des trucs sympas à ramasser. J'aurais limite pu le faire en rushant. Mais dans le doute, on va tuer quelques zombies. Ça fait pas de mal. On va se buffer l'arme. Ça fait pas de mal non plus. Là, il y en a au moins deux qui vont pop. Un peu nul. Très bien. Ok. On va rester full vie. Une âme de voyageur incongru. C'est devant ou derrière, je me souviens plus. C'est les deux côtés. Ah mince. Saleté de mur. Hein. Les murs, c'est vraiment, vraiment une plaie. Par contre, les mobs, eux, ils s'en foutent. Hein. Les mobs, les murs. Quoi, des murs? Il n'y avait pas un zombie classique ici? On a fini déjà? Bon, ça c'est cool. Alors là, le plan, ça va être d'aller chercher les loots sans se faire. Ah oui, puis il faut que je tue. Oh. Ok, ça c'est cool. J'aime lourde. Voilà. Ok. Alors de mémoire, il n'y a pas d'ennemis ici. Là, il y a un bouclier, je ne sais pas du tout ce qu'il fait, donc on va le choper, on va le faire tomber. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce bouclier? Je peux le porter, mais il sucks. Voilà. C'est simple, il sucks. Ok, c'est bon. Un talisman sacré. Et donc 23h, et normalement 23h45 les pubs d'après si je reprenais le rythme normal, donc je socks totalement du timer, hein. Il faut le dire. Bah, je t'ai touché. Prie, très bien. C'est good. Bon, je pense qu'il nous dit rien de spécial, le reste. Ok. Let's open the door. Va falloir qu'on fasse le mob en bas, même si... Katharina. Je sais que c'est timer, c'est dégueulasse. C'est tout ? Alors avant de passer derrière, on va aller débloquer le feu du bas. Je vais juste parler au géant dans un premier temps. Histoire d'être sûr qu'on soit tranquille dans l'autre zone. Comme ça, je pourrais aussi aller chercher mon fragment d'os plus 1.
toute la zone derrière, on la fera après. Une de soldats anonymes. Faire la paix. Voilà. C'est notre copain. Et je vais faire le tour, mais je crois qu'à chaque fois que je fais le tour et je me dis non, en fait, il n'y a rien du tout, ça sert à rien de faire le tour. Et en effet, ça ne servait à rien de faire le tour. On va débloquer le feu du bas. Tu le tues, tu drops un anneau, mais je veux pas le tuer, c'est un copain. C'est moche. Drop quoi comme anneau? L'anneau du faucon, non? Je sais plus. Non, puis t'aides tellement, jamais je le tue, quoi. Il est trop cool. Alors, la question maintenant, c'est... Est-ce que j'ouvre la porte directement? Je pense que oui, c'est mieux. Normalement, là on est immune. Alors, voyager, sanctuaire de l'Ichefeu. Ben, je vais essayer Sarah Connor. Renforcer l'arme. Donc il nous en manque 5. Je pense que je peux aller lui parler à elle là-bas. Lui, je lui ai pas parlé encore. Je pense pas qu'il me manque quoi que ce soit d'intéressant. Bon, il me file la flamme de pyromancie par contre. Apprendre pyromancie, donc non, il n'y a rien de bien pour le moment. Je peux lui parler. Ok. Donc rien que je peux utiliser. Ajoute des emplacements de sort aux F. Oh, quoique ça pourrait m'être utile pour le moment. Ah si, attends, je vais l'acheter. Si, si, parce que ça va me permettre de faire un truc tout bête. Ah, mais je suis à 29,6. Si je fais ça, je vais vendre Baba. 30,6. Oh. Je peux virer ça et mettre ça, 23,6. C'est qu'on manque pas grand-chose, hein. Ça fait... Il pèse combien? Il fait 4 et je suis à 31,6. Un truc à 2. Ah mais mince, il était déjà équipé. Je fais n'importe quoi. Hop, on la refait. Un truc... Ça c'est combien? 2, 5, ça passe. 4, ça passe pas. 2, 5, 8, 4, 0... J'ai pas un truc à 3? Si, 3 j'ai ça. 29,6. 3 ça passe. Jusqu'à 3 ça passe. Donc est-ce qu'il n'y a pas un petit arc en vente ou je sais pas quoi à 3? On va voir. Ah oui, je peux envoyer pied. Il y a ça qui... Ah ouais, il fait 3. Ouais, non, c'est nickel. Merci. Voilà, on est à 29,6. J'ai quelques carreaux standards. On est bon.
Je vais en racheter un peu. Notre arme est passée plus 2. On est combien? Allez, 24, ça m'en fera 40. On est bon. Sauf que j'ai pas acheté les bons. Bah bon, c'est pas important. C'est pas important, 29,6. Et là, je vais pouvoir rajouter le soin. Ça peut potentiellement aider en attendant. Voilà, hop. Voyager. Camp des morts vivants. Attends, c'est où je voulais aller? Oui, pont en ruine. Et aller chercher le fragment d'os. Aller chercher le fragment d'os. Et pourquoi pas la tenue de Claire aussi? Allez, viens, Billy. Oh bah non, vas-y, t'es mort, là. Foutage de gueule. Foutage de gueule, moi, je dis. Comment il s'appelle, mon perso? Vetria, comme le nom de mes persos féminins, en général. Allez, vas-y, défonce-les. Défonce-les, nouveaux copains de moi. Encore un là-haut. Ah bah non. Ah voilà, ça c'est bien ça. Lire le message. On va aller se prendre la tenue qui est ici, même si c'est pas très très utile. Ah, il y a un bouclier par contre, je sais pas ce qu'il fait celui-là. Je peux le porter. Non, malheureusement, il a une bonne résiste magie par contre. Là, est-ce qu'il y avait un autre loot à prendre à part? Je crois que non, mais je pourrais vérifier. Non, il y avait juste les cendres. On va aller chercher le fragment d'os qui va nous permettre d'avoir un meilleur heal. On va essayer de pas tomber dans le vide, ça serait bien. Qu'est-ce que c'est là? Ok. Un billet aux yeux rouges, je crois qu'il est tout seul, je peux me planter, mais... Non, il y a lui. Qu'est-ce que je fais? Tu lui tires dessus? Merci. Ou d'ailleurs, je peux même faire ça... Tu viens? Pourquoi il tire pas dessus? Ah merci. Ok. Donc là il n'y a rien, il n'y a rien. En haut je sais plus s'il y a un Billy, je crois pas. Là faut sauter ici. Pour la faux, je peux pas la porter de toute façon Zef. Là, ça nous emmène vers... On va pouvoir ouvrir un raccourci. Et ensuite... Ensuite, est-ce que je passe par là? Ouais, non, je vais aller... Elle est plus là, du coup, la nana? Si, elle est là-bas. Elle est là-bas. Je vais juste choper ça. Hop. Maintenant, on va aller faire la petite zone optionnelle pour choper la note Chloranti. Du coup, je vais faire quoi là? Augmenter mon... Je voulais acheter un truc.
Non, des os, j'en ai assez. Voilà, on a les popos plus 1. Voyager. Route des sacrifices. Et je vais mettre des pubs. La suite, c'est après une page de pub. A tout de suite. On se retrouve pour la suite de ce run SL1 qui se passe plutôt bien. Deux morts, malheureusement. Une contre un boss et une bêtement. Même celle contre le boss aurait pu être évitée. Mais c'est quand même un début de run qui se passe plutôt bien. Donc je vous dis à tout de suite. Je coupe la musique de Dark Souls. Je vous mets un petit fond musical sympathique de Lineage. Et on se retrouve après les pubs. Bisous, à tout de suite.